Ouais, je vais faire mon premier live sur la chaîne via la PS4 sur FIFA 16. On va commencer par un petit classico PSG Marseille. On va lever trap Sirigu parce que je préfère Sirigu que trap. Et comment t'as je le mets sur le côté. Je vais le ratir en central. Non. J'enlève Mota pour mettre ses pastorets. Non les gars, c'est bon. Ah oui, j'ai follow la chaîne parce que t'avais pas follow. Avec mon compte, t'avais pas follow avec Pasta. Non. N'hésite pas à parler, hein, sinon les gens. Ouais. Voilà les gens, déjà tout ça. Bonjour et puis. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis Eric Ronsosé. Bon voilà, on va venir avec. Bonjour, bonjour à ceux qui regardent. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Passe en retrait pour le gardien. Thiago Silva, Serge Aurier, ouais, il a pris cette interception. Ouais.
Maria. Là tu dis. Allez les gens, les amis, je vais laisser à. Faites un petit pronostic. Faites-nous un petit pronostic. C'est pas oui. Est-ce qu'il y a des Parisiens qui regardent ou des Marseillais? Pas de supporters. Non. Non. Ah, un petit coup franc. Personne qui veut faire un pronostic. Tu dis ça Alex parce que je te rappelle de la du match que je t'ai vu hier et qu'on a fait l'eau dure. Quand je t'ai mis 2-0, t'as vu le Barcelone. Oui, à notre chef de la chaîne, j'ai réussi à lui mettre 2-0 avec Créteil alors qu'il avait Barcelone. Non, non. On voit bien quand même que dans les jeux c'est pas comme en vrai. Hein. Le vieux de l'arbitrage. En même temps on va dire que les arbitres français sont pas si forts que ça, mais on le sait. N'hésitez pas à follow la chaîne qui vient d'être créée depuis vendredi. Bon,
aussi un compte Twitter, un compte Facebook. Oui, on a. On a aussi le une page Facebook, F1 Direct TV, un compte Twitter, F1 Direct TV. Et puis bah aussi, n'hésitez pas si vous aimez bien aussi un peu tout ce qui est sport automobile, allez voir le site f1direct.com. Souvent ceux qui sont sur la Twitter, ils sont sur le site internet. Oui. Là, t'as 80% des autres qui regardent les sites. On sait jamais si, on sait jamais s'il y a des nouveaux. On a trouvé quelqu'un qui a un nouveau fait un truc qui connaissait pas le site. Ouais. Et voilà, Morwic. Le joueur a quand même pas le ballon dans les yeux. Il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste. Après, l'équilibre est parfait là au moment de la frappe. C'est avec son physique, Ibrahimovic, il arrive à poser sur une défense. Il prend la bière. Il prend la bière. Pas mal. Voilà notre ami Alex qui a trouvé le surnom de Ibrahimovic. Attention à cette perte de balle au milieu. Elle est parisien récupère. Blaise Matuidi. Matuidi. Oh dommage. Il est finalement. Bon. En roi, il repart en bas. En brasseur de l'IRXV. Vous pouvez parler les gens aussi. Prochain arrêt de jeu. Le secteur vient faire rentrer un petit peu de 109. Chers amis, si vous êtes sur le site F1 Direct, vous pouvez nous rejoindre et parler avec nous directement sur notre chaîne Twitch. Pour cela, il vous suffit de regarder le menu, vous avez un petit lecteur et vous avez le logo Twitch. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la chaîne et à partir de là, vous pourrez dialoguer avec nous et éventuellement parler de tout et de rien. A tout de suite et à très vite. Ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Avec grosse ambiance ici en effet. Heureusement que c'est Marseille, hein.
Cavani qui part tout seul. Oh là là. Bon bah 1-0. Ce match qui a tenu toutes ses promesses. Ah oui, non, jouer était de taille, hein, et pour les supporters, eh bien, cette victoire fait du bien. C'est pas mal d'être le match de la saison. Alors, quand on a gagné, eh bien, on a sa voix, cette victoire. Cette équipe qui reste une fois de plus maîtresse chez elle. Et les joueurs prennent encore 3 points à la maison. C'est évidemment une bonne opération. Non mais il connaît, il a déjà un compte lui Twitch. Il a déjà un truc Twitch là. C'est très bien. Bon, on va faire un petit match. On va se mettre en mode Je voudrais apporter une petite précision pour carrière. Ceux qui ne sont pas intéressés par les jeux vidéo, par les jeux vidéo, tout ça, qui veulent pas entendre de son, vous pouvez mute dans le donc couper le son du lecteur, c'est dans le menu qui est sur votre droite sur la page d'accueil et sur votre gauche sur les autres pages du site. Et donc une fois que vous aurez mute, vous ne m'entendrez plus sur live. Voilà, ce n'est pas une publicité, c'est un contenu gratuit que F1 Direct vous offre. Pour le petit match de carrière, donc une équipe de carrière qui en. Match. Ouais. Carrière F, Paris avec en tant qu'entraîneur à Paris FC pour commencer. Une carrière d'entraîneur. Faut pas commencer trop gros. Ouais. Si on prend tous les lives sont remis sur la page. Oui, et tous les lives sont remis sur la page de YouTube et F1 Direct. Et les gros gros lives sont remis aussi sur Dailymotion. Et les gros gros lives sont remis sur Dailymotion aussi. Puis je vais vous donner donc une petite pour info aussi on fait aussi du une émission F1. Comme il y a eu ce soir, il y en aura une autre lundi prochain à partir de 20h30. Et le samedi 25 juin, avec notre ami Passetteur, on fait un live de 6h. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai dans la suivant le live. Et il y aura un jeu à gagner pour. F1 2016 à la date, on sait pas encore la date, mais ça sera à sa sortie sur une émission TV. On vous reconfirmera l'info sur live quand on aura la date du jeu sortie. Apparemment bientôt aussi Ibrahim Atandia. Donc après je ferai des lives aussi quand enfin nous ça sera sorti sur PS4. Il y aura sûrement notre ami Passateur aussi qui fera ça sur PC. C'est des bourses.
Si je prends l'abonnement live, tu peux me prêter tes jeux en fait. Ah oui, c'est Santa Maria. Bah, via ton PC. Dommage. Via PC. Non, mais si j'ai la PC. Ah oui. Et ne se pousse pas pour exploiter ce cadeau. Essayer de prendre le ballon. Bergogno. Jean-Jacques Pierre. Petit fait d'arbitre, un carton peut-être. Pour info, le live de ce soir de l'émission TV, de l'émission F1, va être en ligne, en ligne via sur Dailymotion d'ici quelques minutes. Donc tu vas apparaître sur le site dans 30 secondes. Donc voilà. N'hésitez pas à cliquer pour ceux qui n'ont pas pu être là à voir, bah, si vous voulez regarder. Vous pouvez. Même si voilà, c'est pas là. C'est toujours bon de regarder des fois pour les passionnés de sport automobile. Passe en retrait à destination du gardien. C'est des mours. Ils sont à la récupération. C'est dégagé. Salut au nez. Salut, salut. N'hésite pas à follow la chaîne. N'hésite pas à follow la chaîne, Chris. Quoi de beau depuis tout à l'heure, truc. Merci à toi, Chris, pour ton follow. Merci beaucoup.
Bah rien. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Voilà, carton pour cette faute ou pas? Ah Chris, ça fait combien de temps toi que t'as ta chaîne? Jean-Jacques Pierre, ballon arrêté, bien capté. Oh ouais, déjà 45 minutes dans ce match. Je lui demande si c'est bien sa chaîne pour qu'il mette un petit couloir retour, il nous a pas follow. C'est parti pour la seconde période. C'est Dupéné. Il m'attend bien. Si moi, mais je stream rarement. Ok. Ça fait 6 mois qu'il a sa chaîne. Mais il stream pas beaucoup, beaucoup. T'as pas trop, je pense que t'as pas trop le temps avec ton boulot. Nous on est une équipe de 4 streamers, on a créé la chaîne. Ouais, 5 personnes avec aussi. Donc nous c'est une chaîne qu'on a faite en délire pour le site F1 direct. Je sais que toi qui aimes un peu aussi sport automobile, qui aimes bien les jeux de voiture, tu pourrais aller voir. C'est un site sur la F1 et puis bah en fait on fait la chaîne pour jouer, streamer sur des jeux. Ils font aussi tous les lundis après chaque Grand Prix à 20h30, ils font une émission pour raconter un peu comment le Grand Prix s'est passé, parler du nouveau Grand Prix qui a d'après. On fait un peu de tout quoi. Et puis bah n'hésite pas si tu nous faire de la pub, si tu peux partager si t'es d'accord pour partager. Puis si tu es d'accord pour partager un peu, voilà, n'hésite pas. Hein. Puis nous, on fera pareil. Hein. Moi, là, je vais aller faire un peu de coach. Moi, je vais partager sur mon compte perso, j'ai eu 400 coach. Ouais, après. Le tacle. Ah, il concède un corner. Attention à cette occasion. Sachant qu'après, on va peut-être créer une famille, ça s'appelle. Une quoi? Une famille, c'est-à-dire que s'il y a des chaînes qui vont nous rejoindre. Ouais. Donc là je viens d'avoir Mais c'est pas un projet, ça va être félicité. Je ne ressemble pas beaucoup car je joue beaucoup avec le monde de ma team. Ah ok. Ok. Un petit pied à la retombée peut-être. Ah, il n'a pas très bien donné son ballon. Et les défenseurs avaient bien senti le coup. Moi ça fait pas longtemps que je stream. Ça fait. Bah en vrai c'est le deuxième stream. Premier sur cette chaîne là et j'en avais fait un sur l'autre chaîne. Non, troisième. Mais ça c'est un mec du coin aussi, c'est un mec du chien aussi. Il est déjà aussi du. Ça peut être sympa de se rencontrer. Ouais.
entre streamer et nous, on n'est pas confiants. Moi, si tu veux, Chris, le copain avec qui je fais la chaîne, il est de géant aussi, donc si un de ces quatre, on pourrait se faire un petit truc, une petite rencontre, une voix, boire un café. Ça te tente. Hein. Puis on a follow sur ta chaîne. On t'a fait un follow back sur la chaîne. Merci à vous, aux 18 personnes qui nous regardent. C'est super, franchement, on a des débuts qui sont impressionnants. Ouais, on a un bon début de... pour un promo live, c'est déjà pas mal. Il y en a combien ? Cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être à un tournant. Geoffrey Malfleury. Et le ballon au fond des filets, les voilà qui reviennent dans la course. Le gardien doit s'incliner pour la première fois. Okay. Et irréprochable jusqu'à présent, mais à force de solliciter, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Et très bonne appréciation de la trajectoire sur cette tête qui était imparable. Grâce à jeu collectif. Hein. Il a mis oui, ça pourrait, ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est clair. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais, bah après. Chris, comme je disais, je crois aussi. Puis là, mon ami avec qui joue, enfin qui est avec moi, là, qui a créé la chaîne, d'ici bientôt, il va sûrement avoir une PS4 aussi. Donc, parce que lui, à la base, il est streamer sur PC. Et, dans ma piole. Comment? Dans ma piole. Ah non, là. Regarde celui-là. Le blanc. Fais toi qui va te mettre à quatre pattes tout à l'heure, tu vois. Eh, on est sur FA direct, ouais. Ça, je dirais. Il y a un peu 12 personnes qui ont entendu ta colonie. Oh là là! Bon, bah, match à nul. J'essaie de créer la famille. Moi, ça marche. Robot qui pète un câble. Si tu es choqué, petit chat. Oh.
des animations mixtes. Oui, on va faire aussi des animations mixtes. Des soirées, du reportage. Salut Maga. Salut Maga. Passateur et Bresca en commande. Salut Maga. Ah, ça fait plaisir de voir Maga aussi. T'as fait comment il nous avait accompagné sur le live. Ouais, ouais. Moi, je crois qu'il a déjà follow Maga. Donc... Maga, n'hésite pas à follow si tu ne l'as pas fait. Hein. Je crois que c'est déjà fait, mais ouais. C'est un follow, ça. Merci Maga. Merci Maga pour le follow. Sachant qu'il y a l'option refollow après qui marche par la suite. Non, mais on peut faire deux follow par contre maintenant. On peut faire deux follow par contre apparemment. Faut attendre un peu. Faut attendre un petit peu, plusieurs jours apparemment. Je viens de le faire, lol. Oui, on a bien vu. Merci Maga. Puis bah aussi merci. Parce que Maga, il y a un décalage d'une minute en fait. Merci aussi à toi de. Merci à ton pote. Hein. C'est, à ton pote follow, aussi. Cool. Deux follow. Et puis merci à vous deux. 14 follow quand même. 14 polo en une journée, je trouve que c'est pas mal. C'est énorme. C'est énorme. Bon, comment ça va, Maga? Comment ça va, Maga? L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Moi, je crois que mon pote m'a envoyé un message. J'ai pas vu. Dis-lui qu'on a une chaîne de. Eh hey Maga, tu sais que tu peux aussi nous retrouver sur Facebook, la page c'est F1 Direct, F1-Direct, Espace TV. N'hésite pas à suivre la chaîne sur le Facebook et à partager auprès de tes potes. Pareil pour ton pote Oné là, s'il veut partager sur Facebook. Ouais, parce qu'on a 97 gemmes depuis samedi, si on peut dépasser l'essence, ce serait cool. Et sachant qu'il va y avoir des giveaways et tout qui vont tomber là. Ouais, Chris, n'hésite pas pour le... Pour partager sur toi, sur Facebook, on a une page web, enfin une page Facebook, F1 Direct TV. Et la, okay. La page Facebook F1 Direct officielle vient de franchir les 9500 jeunes. Et juste pour info, la page Facebook de F1 Direct, officielle de F1 Direct, vient de passer les... Les 9500 gemmes. Ça va Maga, je te remercie. Ça va, ça va. Donc voilà. Pour info... Ah, c'est sympa franchement Maga, c'est cool. Franchement. Il a regardé le replay, tu vois. Tiens, ça sert les replays. Ouais, bah c'est cool Maga, bah... Ouais, merci à toi. Ça fait plaisir. Hein. On voit que le replay ça sert. Benure va bientôt faire ses débuts aussi sur la chaîne. Ouais, Benure qui va bientôt faire ses débuts, bah, vendredi je crois. Il va essayer avant s'il peut. Et il y a aussi un autre poteau qui va arriver. Voilà, on aura un nouveau Twitcher apparemment. Il s'appelle Benjamin aussi. Mais j'ai Benjamin pas aussi. Non, on n'a pas son pseudo. L'idée c'est qu'on arrive à 6 Twitchers, un DJ. Ouais. L'idée voilà, c'est ça qu'on arrive à moi faut jouer pour avec le DJ là. Pour vraiment un truc sympa. Bonne lecture du jeu là sur cette interception. Méga gros. 961 likes. Votre page Facebook. C'est ah. Elle que je suis allé sur votre site web ensuite j'ai trouvé votre chaîne Twitch. Pour la petite histoire, la page Facebook que tu parles, c'est Loïc, un pote qui la gère et je le connais depuis 2007 et il est rédacteur chez F1 Direct et il va peut-être aussi faire du live sur Xbox One sur la chaîne par la suite ici, mais pour le moment il n'est pas il trop pas décidé beaucoup le temps. Voilà. Mais c'est par la suite il va peut-être venir pour la petite histoire. Ouais. Après bah voilà, on a aussi du... On a pour info Maga F1 2016 à faire gagner à sa sortie. On n'a pas la date avec Guest Planet sur PC. On n'a pas encore l'info de la date de sortie du. Du bah, de la date de sortie, mais dès qu'on l'aura, on vous le redira de toute façon.
Puis lundi prochain, à partir de 20h30, il y a l'émission F1. Ouais. Vendredi, il y a peut-être le sûrement Bénur qui va faire un live. Même avant s'il peut. Même si avant, peut-être s'il peut. Vu qu'en ce moment, il est dans les épreuves, ça va pas être facile pour lui. Et puis, on a le 25. Le 25 juin, c'est ça, hein, Alexandre? On fait un live de 6 heures. Salut, salut, Dylan Jean 33. Salut. Alors, vous en pensez quoi du match de ce soir? Alors, j'avoue, j'ai pas trop regardé. Belle victoire d'Italie. Une belle victoire de l'Italie. Salut Van Persie. Salut Van Persie. Est-ce qu'il est mort? Je crois qu'il est mort dans son clavier parce qu'il est connecté depuis aujourd'hui, mais il a vraiment. Qui ça? Est-ce qu'il est mort? Il est connecté, mais il a pas parlé ni pendant l'émission ni là. Je crois qu'il est décédé devant son PC. C'est quoi son nom? Austin Gaming. Austin Gaming. Austin Gaming, tu dors ou t'es là? Parce que t'étais déjà là en émission, mais t'as pas parlé. On te voit pas. N'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à follow. Pour info aussi, le 25 juin, on va faire un live de 6 heures. Est-ce qu'on peut le mettre? Faut baisser. Non, c'est pas sur la télé. Dans la console, je sais pas trop comment règle. Va sur chez, c'est les paramètres de diffusion. Oh, merde, gros mine de truc. Non, c'est bon, t'es encore en diffusion. Ok, oh, j'ai eu peur. Attends. Est-ce qu'il y a paramètres? Ouais, rentre dans les paramètres. Mais j'ai peur que si je clique dessus, ça va. Non. Paramètres avancés. Paramétrage, partage audio. Ouais, non, on revient en arrière. Non, bah écoute, tu peux revenir. Je sais pas faire. Faudra qu'on se renseigne. Ouais, explique. Je sais pas trop comment on fait parce que je connais pas la PS3. Et puis là, je suis avec les écouteurs. Là, je vais avoir un nouveau casque d'ici peu. Dès que ma nouvelle PS4 sera arrivée. Ouais, si il arrive un jour. Si il arrive un jour. Derrière. Salut monsieur Ben. Alors j'ai pas vu ton message. Monsieur Ben. Okay. D'accord, est-ce que vous pensez que Balotelli méritait sa place? Bah moi j'ai pas trop bien suivi le match vu qu'il y avait l'émission TV, mais j'ai suivi un peu la fin. Ouais, monsieur. C'est qui? Tu connais? Hein? Non.
Non, lui, c'est pas Samsung. Tu connais pas Samsung? C'est une marque de téléphone. Si, je connais, j'en ai un. C'est reparti donc pour la deuxième mi-temps de ce match. Pourquoi, monsieur Ben? Tu me disais le café, le bateau laitique à sa place. Pour ceux qui est un peu... Dylan, j'entends quoi, tu penses que ce serait qui, tu vois qui gagne l'euro? Perdu monsieur Bin, ouais. Parle plus. Il est parti, il est marqué. Bon, en fait, il est venu faire un peu plus. Que... Je sais pas ce qui. Il s'en parle de. Maga, n'hésite pas à avancer, à partager. Personne n'a rien, il a rien fui. Il a fui, lol. Lol. N'hésite pas à partager le live de ce soir. Yo, Night the Dave. Re Chris. Un match facile, hein, jouer contre les deuxièmes, c'est jamais facile. Ouais. En fait, là, je suis en carrière. Je suis en mode carrière, tu vois. Une carrière dans le mode carrière entraîneur joueur. Tu joues à quoi avec quelle équipe? Tu fais du fut. Du foot, je joue plus au foot, non. J'y ai joué, mais j'ai arrêté. Mais sûrement reprendre la saison prochaine. Non, FIFA Ultimate. Non, j'ai pas d'équipe FIFA Team pour l'instant. On voit, t'en as une toi? Yeah.
c'est touché par le gardien, mais ça rentre. Regarde celui-là. Ah, je crois qu'il va vraiment falloir le marquer d'autres deux aujourd'hui. Ça fait pépi déjà sur son compte personnel. Je trouve que c'est quand même bien, c'est, hein, c'est bien amélioré par rapport à bah ouais, si tu veux Chris, on peut se faire un petit match. En ligne. Je finis celui-là, on peut se faire ça après. Hein. L'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Ouais, j'ai répondu. T'es en partie vocale. Bah non, vu que je suis en partie live, enfin avec le live. Je pense pas qu'on puisse faire les deux. Bon là j'ai tué 5 pigeons. Weaver pour le live GP. Non, je crois que oui, c'est 40. Après, je trouve que pour une première émission, c'est pas mal. Si, alors apparemment on peut faire les deux, partie vocale et partie en live. C'est cool ça, mais après je sais pas trop comment on fait. Mais on va bien trouver. Oui, oui, on a bien fait l'info. Ok. Chris. Bah, je lance ton... Lance FIFA et... Je t'invite à jouer. Un changement de chaîne, non? Comment? C'est le gars, on a fait ce qu'on a pu, surtout pour un changement effectué dans la nuit de vendredi samedi. Non, non. Mets le son de voir si on m'entend. Ouais. Moins de toi. Voir. Parce que j'ai peur que. Je fais du nom des trucs ouverts parce que.
Heureux, Chris. On entend? Ouais. On entend sur le live? Je sais pas, je suis en train de recharger la page. Ok. On est tombé à 10 tout d'un coup. Ouais. Je sais pas si t'es sûr que ça marche au niveau de la du live. Ouais, t'as l'habitude. Ouais. Avec les... Bon. Ouais. Quand tu jouais, ouais. Je sais pas si t'es sûr que ça marche au niveau de la du live. Bon, je t'invite, t'envoie une invitation de jeu. Ah, ça y est, c'est fait. Chris, n'hésite pas, hein, si tu as des conseils à nous donner pour bien gérer la page. Hein. Je crois qu'il s'est déconnecté, mon pote. Je le vois plus sur la liste. Pas qu'un genre aussi. Hein. En fait, alors, pour t'expliquer, mon pote, ouais, il a un site sur la S1. Tu rédacteurs, tu peux aller voir si tu tapes sur Google f1direct.com, tu vas trouver. On est basergien aussi. Parce qu'il est de Gien aussi. Hein, je le connais, ça se trouve, je le dis. Il est de Gien aussi, ouais. C'est mon pote, ouais, qui fait ça, il est de Gien aussi. Hein. Qui fait le site F1, ça fait. 2004. Depuis 2004 qui fait le site. Et puis bah on s'est lancé sur une chaîne, faire une chaîne Twitch et puis. Ouais, une chaîne officielle du site. C'est une chaîne officielle du site quoi. Faire, donc et on va faire un peu tout. Tout restant dans le délire entre potes, tu vois. Par contre et TV en même temps. Et pas TV en même temps. On va pas faire que du jeu quoi. On va aussi faire du TV. Du reportage, du mix. Du reportage, du mix. Salut, Elisio No 7. Alors en France, minuit 34. Parce que t'es de d'où Puis voilà, faire du mix, on va faire un peu de tout, du reportage. Voilà, mix, reportage. Un reportage. Soirée réaliste, c'est-à-dire. Soirée réaliste aussi. Genre, si un match de l'Euro qu'on est dispo, on va se le regarder avec vous en direct. Voilà quoi. Mmh.
faire un peu de tout quoi. Puis faire du reportage sur beaucoup sur le sport automobile. Hein. L'automobile et le sport. Sur l'automobile et le sport automobile. Peut-être même sur le salon de l'auto, on va voir, on essaye de voir. Là on essaie de voir aussi avec pour faire un reportage, on va voir ça pour faire les 24 heures de show cup. Ah, désolé, t'as c'est pas grave. Que je connais quelqu'un en fait de l'écurie du génois qui fait ça et puis je vais proposer, ça me l'intéresserait, donc il faut qu'on fasse une rencontre, faut qu'on va voir après. Du Maroc, d'accord copain. Ok, bienvenue sur la chaîne, n'hésite pas à follow. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Salut Alkel Drew 91. Salut Alkel Drew 91. Peut-être que tu le connais, oui, c'est possible. Tu connais toi, ça te dit quelque chose, Christopher Cibourg? Christopher Cibourg, ça te dit quelque chose? Non. Bon, apparemment tu lui dis rien. Après de nous, ça se trouve. De nous, ouais, de visage, ouais, peut-être. Je te ferai voir une photo tout à l'heure. Vous êtes naze, lol. Ok. Non, bah Paris, ils font pas naze. Bah, je crois qu'il parle de notre live. T'aimes pas notre live? C'est bien droit, hein. T'as le droit. Mais après, on fait plus ça pour s'amuser, donc voilà, on reste dans le délire. Il se prépare pour exploiter ce cadeau. Bon Christ, tout le monde va bien chez toi? Bon ouais, tranquille. Tranquille. Ah, c'est chiant la PS4, t'as pas les messages en tout cas en fait. Mais ah, mais t'inquiète, on est au calme. Non, hein. T'inquiète. Oncle Druz 91. Saint-Étienne. Serge Aurier. Cavani. Essaye de s'appliquer sur son centre. La défense repousse. Oh, l'attaque stoppée par cette faute. Merci pour la passe, Chris. Il va te mettre une boule, tu vois. Comment il joue, ça risque pas de mettre une toule. Ah, mais moi aussi, ça fait un rond, j'ai pas joué. Bah, en ce moment, moi j'étais plus sur GTA. Ouais.
Salut XX Pika Panda XX. Salut XX Panda. Pika Panda. Pika Panda, excuse. N'hésite pas. Hein? Foufou. T'es quel club toi? Paris. Et lui il est pour Saint-Étienne. Ouais. T'es pour Saint-Étienne toi. Et pour qui? Saint-Étienne. Moi je suis pour Lyon. C'est lui qui. Il y a un petit lyonnais là. Et là je rigole, c'est pas vrai. Je regarde pas en fait. Non il est pas trop foutu. Et le jeu, et ça a l'air pas mal le jeu que tu jouais tout à l'heure. Quand je suis venu te voir, non l'autre, le premier jeu que tu jouais. Si. Ouais, ça a l'air pas mal comme jeu. Ouais, une MX, ouais, bah le jeu de motocross, quoi, il est pas rare. Lol, ma gueule. Contre ce centre. Et voilà, déjà 45 minutes dans ce match. Il est cool. Vettel vient de marquer. Ah oui, je savais pas que Vettel il joue au foot. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Bientôt Ferrari vont faire une équipe de foot aussi. Ouais, c'est qui le foot lors du match de solidarité à Monaco. Et j'ai même un pote à moi qui joue dedans. Non ouais. Bah vas-y. Hein. On va à Monaco la prochaine fois avec elle. Tu cherches un attaquant, moi je vais. Hein. Je peux jouer en stopper aussi. On te mettait au vigile qui récupère un ticket à l'entrée. Tu sais, le rôle de merde. Ah non, je préfère fouiller. Tu sais, s'il y a un attentat, tu me fais tuer. Non, moi je préfère fouiller. Sauf que si tu fouilles, tu fouilles avec tes mecs, mon pote. Non, non, moi je me fouille que les meufs. Tu veux toujours des mecs pour. Moi je fouille que les meufs, moi je fouille pas les mecs. mon dieu, il dire que c'est passé sur la fin directe. Bravo, Mathieu. Verratti, t'as pas le droit de louper ça. Penalty. T'inquiète, il va pas le marquer. Ah mais c'est l'arbitre, c'est carton rouge là normalement. Ça ils sont formés. Eh oui, un carton jaune, ça on l'avait ressenti comme un merveilleux. Il brasse la bière, il a trop bu. Je reviens sur ce pénalty complètement manqué. Incroyable. De rater un pénalty, incroyable. T'étais bien parti, Chris. Hein. Et c'est Rick. Romain Luma, Serge Aurier. Avec Zlatan Ibrahimovic.
ce sera une touche pour le PSG. Ouais, alors je l'ai même pas. PlayStation était par le jeu. Ouais. C'est tellement bon. Ah, tu sais que PlayStation en a besoin qui fait gagner des jeux, je sais pas. Je sais pas. Possible. Possible. Peut-être qu'il regarde le live, hop, ils ont dit. Ils tombent du jeu, ils ont dit putain, on devrait reprendre la console, ils font autre. Et ils ne se privent pas pour exploiter ce cadeau. Avec Zlatan Ibrahimovic. Non, mais c'est de que. Romain Bouma. Paris est magique. C'est les seuls, ils jouent, ils perdent la balle. C'est Paris, c'est magique. Ils vont me faire tuer par les supporters de Paris, tu sais. Ils vont se ramener chez moi, ils vont bouffer ma maison, ma voiture, mes poules, ils vont bouffer mes poules devant moi. Oh, t'as vu, Chris? Les ultras, ils sont libérés à partir du mois de. À partir de cette saison, et ça y est, les ultras de Paris, ils reviennent. Paris est en grève. Tant que Paris n'est pas en grève. Désolé. Une question, ils sont habillés en vert, c'est pour ressembler à ces télèbres. Mais oui, c'est leur. En plus, Saint-Etienne, c'est leur. C'est même si ils sponsorisent. C'est pour ça qu'ils sont habillés en vert. C'est vrai, en plus, ils sont sponsorisés par ces télèbres. Le crédit qui vient d'en. Et demain, on va ressembler à des sept mais clairement. Elle prend pas parce que je te prépare mon cœur. Non, ouais. Je pense que l'arbitre a hésité pendant assez longtemps. Oui, moi, j'ai le réveil pour 7h20, c'est bon. Tu lèves, le café, le machin. C'était même, c'était même. Extraterrestre. Magique. Attention, le ballon qui tape la transversale. Bon allez, on refait un petit match. Ça te dérange si je viole ton chat? Tu fais ce que tu veux. Les arcilles. Alors je te montre, t'as le vote. D'accord. Je ouais, attends. Que ça charge, donc tu peux parler, tu vois, si tu veux. Quelqu'un qui poste une chronique,
Tu regardes Saint-Etienne ou tu changes d'équipe? Ouais. J'ai pas eu le temps de changer. Pour mon changement. Ballon pour Ronnie. Gareth Bale. Ouais, la passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. Peut-être le but. Ah.
tête. Une très bonne tête. Surface. Est-ce que c'est un bon centre? Il y a de l'anticipation sur ce centre. Un contre qui est finalement enrayé par la défense. Il y a des ailes. Oh, quel dommage pour eux. Quel dommage pour eux, car là, ils avaient une occasion inouïe de passer devant. Marcelo, oui, bien pris. Un ballon à nouveau pour Manchester United. Entre finalement à la touche. Avec Cristiano Ronaldo. Manchester United qui récupère. Il a le temps de lever la tête avant de centrer. Ah oui, le centre. Ouais, excellente interception. Bien joué. Oh la patate qui camine avec Gareth Bale. Il va pouvoir centrer. Il dégage de la tête. Celui au Sting Gaming. Oh, quelle erreur j'ai faite. Défenseur qui s'interpose. Un corner.
mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage. Réal. Bah oui. Quelle erreur. Le coup que j'ai fait. Magnifique, vraiment, que l'on revoit sur ce ralenti, que l'on apprécie encore plus sur ce ralenti. Eh bien, ce qui est sympa, je trouve, c'est de voir qu'un joueur a su se faire un grand peu plus civilité au moment de la faire apparaître. Et tout est à refaire, un but partout. C'est en cloche pour Wayne Rooney. Le pion. Sur cette passe. Vous dormez, Louvier. Ça roulait. Ça paraissait bien parti en effet, mais il a échoué dans le dernier geste. Il donne directement le ballon à l'adversaire. Quand il veut, ouais. Il est à l'interception. T'as vu que Simonet il part à Manchester. Il s'approche. Simonet il va à Manchester. Je crois que c'est une tête aussi. United. C'est dégagé du coin. Et la défense qui concède encore. Et il y a. Qui s'appelle. Ouais. Le cinéma, il vient à Paris, mon pote. Ouais, non. On s'approche du but. Une bonne lecture du centre. Une bonne lecture du jeu sur ce centre. Non, c'est Mounet, oui. Non, c'était les autres. Paris, ils ont proposé 100 millions d'euros là aussi au Real. À l'Atlético Madrid pour recruter leur entraîneur et Griezmann. Cristiano Ronaldo maintenant. C'est à vous de jouer les stats. Ouais, il est
Ouais, apparemment, ouais, qui serait sur le coup parce que l'autre il veut pas venir. Alors... Vous avez proposé ça. C'est parfaitement fait. René, le gardien qui nous sort à l'arrêt de grande classe. Que achat revente. Pixies, Moon, Mopo, Bass, tu. Salut à toi, tu peux que du rachat au bout. Non. Attention, hein? Faut que tu me non, pas spécialement. Je passe sur avec Team Team non. Et ça fait deux buts pour son compte personnel. Ah oui. Mon Dieu, les défenseurs sont à la peine sur cette action-là. Ils ont du mal à museler Wayne Rooney et c'est lui qui fait la différence tout seul. Les Mancuniens qui ont pris le devant. Ça fait deux buts. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Ballon pour Rooney. C'est finalement récupéré par le Real. Cristiano Ronaldo. Modric. C'est bien tête. Y'a rien. Cette interception, oh là 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 là. Oh, j'ai loupé l'égalisation. Beau match. Vas-y. Ah bah, je te dis à plus, Chris. Je te dis à plus. Puis ouais, faudrait qu'on essaie de voir pour se faire un... qu'on se rejoigne quelque part. Hein? Toujours sur Châtillon. Mais ouais. Faut qu'on essaie de se voir, un de ces quatre. On sera au tir au courant. Yeah.
Non, voilà. Bon, ok. Ouais. Ouais, à la prochaine. Non, je vais stopper. Je vais arrêter le live. C'est déjà 1h30. Demain, Non, fais pas d'achat de vente. Non, fais pas d'achat de vente, revends. Bon, bah, bonne nuit. Bon, bah, bonne nuit tout le monde. Je dis à plus tard. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager autour de vous la chaîne et venir nous suivre. Donc là, je pense dans la semaine, il y aura Bénur qui va faire un live. On va faire, moi, je sais pas, faire un mercredi soir. Il y a Passateur, peut-être qu'il va en faire un aussi mercredi soir. Puis toi, ça dépend, si t'en veux. Puis moi, je vais peut-être en refaire un aussi. Donc on verra, peut-être jeudi. On verra. Ou dans le week-end. Et puis, lundi, il y aura l'émission F1. Comme d'habitude. Après le Grand Prix. Puis n'hésite pas aussi le 25 pour info, il y aura 6 heures de live. 18h minuit minimum. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Puis à la prochaine tout le monde. Au revoir, bonne nuit.